Tu vas le manger pendant le repas. C'est bon. Bienvenue au restaurant Christophe. Le chef a travaillé ce midi autour de brioche feuilletée à l'hysope. Donc c'est une variété d'herbes aromatiques que je vous invite à découvrir avec le pesto qui a été réalisé avec les herbes de notre jardin. Et vous allez retrouver à l'intérieur de l'agastache qui est une plante légèrement anisée. Je vous souhaite une très belle découverte. Et donc le chef vous propose de découvrir devant vous une tuile croustillante, juste ici avec un tarama de brochet de Loire et un voile de pommelot. On poursuit ici avec une friture de gardon de Loire avec un condiment à la moutarde d'Orléans rehaussé à l'ail des ours. Et on termine avec un chromeski de boudin noir de bœuf wagyu de notre élevage. Je vous souhaite une très belle découverte. Je vais vous présenter ces deux pains qui sont produits au sein de notre maison Couleur de Loire par notre chef boulanger Franck Ola. Vous allez retrouver ce premier pain-ci où sa farine provient de la minuterie Roubaix, près de Vendôme. Donc, il est élaboré à base de son. Le son, c'est l'enveloppe qui entoure justement le blé pour lui rendre sa croustillance. Il a une forme de grève de Loire pour rappeler les îlots sauvages qui se retrouvent sur la Loire. Pour le second pain, sa farine est produite à la minuterie de Gien. Il a une double fermentation qui va rendre sa peau très croustillante et sa mie très alvéolée et plus légère que le premier. C'est pour cela qu'il vous sera servi au cours du repas. Donc, le chef a souhaité mettre l'accent sur la farine de ce premier pain. Demi-sel, un beurre de caviar de Sologne, ainsi qu'une huile de colza qui a été torréfiée. Je vous souhaite une belle découverte. Un domaine que j'aime beaucoup, qui reste un domaine traditionnel sur les terroirs bourguignons, en Côte d'Or, vous connaissez peut-être. Mesdames, messieurs, vous allez ici retrouver la poule faisane, ce fameux gibier à plumes qu'on est venu ici travailler en farce moelleuse. On vient ici utiliser les cuisses de ce gibier pour apporter vraiment ce côté très fondant. On vient l'associer avec les cèpes et le foie gras pour apporter ici cette gourmandise. Tout à droite, vous allez retrouver plein de petits condiments. Tout d'abord, tout en haut, une julienne de trompette de la mort qui va ici ajouter ce côté forestier pour suivre sur cette quenelle d'amarante qu'on est venu détendre avec du vinaigre de sureau pour apporter cette acidité et finir sur un pesto de mâche qui va ici apporter ce côté végétal. Voilà tout, c'est une belle dégustation. Pareil que mes trois prochaines. Qu'est-ce que c'est ça? Brochet de Loire. Ah, brochet, on le fait confire en fait dans un beurre noisette. L'appellation Arbois ici, un village de Bucquerie. C'est pas ton mari. Et ici pour suivre avec le sparadis crépus. Ce fameux champignon qui pousse au pied des pins dans nos bourgs en Sologne. C'est parti de la même famille que la morille, du coup quand même un champignon assez rare à trouver. Mais on vient ici le laquer dans une sauce volaille pour apporter ici toute cette gourmandise. Dessous, une farce aux champignons avec ses noix fraîches pour apporter cette amertume et cette mâche. On vient aussi travailler le cinérodon. Le cinérodon, c'est ces baies rouges sauvages qu'on trouve beaucoup sur les bords de Loire. On vient les confire dans une aigre douce pour apporter ici cette acidité. Et je viens finir ici avec cette sauce à la capucine qui va apporter cette saveur pour apporter une nature. Belle dégustation. Grâce à la postérité, grâce à un auteur que vous connaissez peut-être, Bria Savarin. Oui, c'est tel. Tout à fait. C'était de la région de Belay. Et donc en fait, le président Adolphe Clerc, c'était le président de la magistrature belaisanne. Avec lequel donc la maman de Bressamois était très amie. Et qui a du coup demandé à son fils, en plus de l'oreiller de la belle aurore et du chapeau de Monsieur de Quincy, de faire passer à la postérité ce plat en particulier, un pâté en croûte réalisé autour de trois gibiers en général, dont l'un est à plume et l'autre est à poil. On peut changer, on peut faire un petit peu comme on veut, mais c'est surtout ça les grandes lignes de ce pâté en croûte.
On va le réaliser donc autour de la biche, pour les poils, puis pour les plumes, de la perdrix et de la poule faisane. On utilisera les cuisses de ces volatiles pour réaliser un petit effiloché de cuisses confites, une petite salade, truffe de notre fière, et au centre de l'assiette, un condiment à la bernache. C'est la bernache que nous on appelle dans le coin le vin bourru, qui est ce côté un petit peu acidulé, un petit peu sucré, sans alcool, qui va apporter du coup l'équilibre dans cette assiette. Gros avantage d'être un nombre impair à table, c'est de profiter d'une petite portion en plus. Il est là, c'est très rare de le voir employé en sommellerie. En plus il est long, il est parfait. Il n'a pas pris la qualité du bouchon est impeccable. Allez, on poursuit ici donc avec le col vert de Sologne qu'on a approché en fait à la verveine. Donc là on va aller chercher la douceur et la rondeur de la verveine. Avec on a un travail sur la sucrète de Valençay. La sucrète de Valençay en fait c'est une variété de courge qu'on préserve au jardin donc avec le conservatoire des graines anciennes de région centre. Un peu une forme de potimarron, mais vous allez voir on va avoir beaucoup plus de douceur et de rondeur. Et on va finir donc avec le jus de rôti infusé à la verveine. Merci. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Bonjour Suzanne. Vous allez bien ? Eh bien oui, la foi. Très bien, ah. Toujours. Comme nous, parfait. On va continuer ici avec le mouflon du domaine de Chambord. On est venu rôtir un travail avec les cèpes, toujours de Chambord, qu'on vient travailler sous forme de cône avec la blette de notre jardin, les amandes fraîches de Pithiviers et l'herbe santa, herbe sauvage de notre jardin au goût naturellement poivré. Le cèpe cuit en vapeur de sous-bois, glacé dans son jus. Et on termine ici avec ce jus de mouflon. Infusé à la feuille de poivrier. Toujours aller chercher justement ces notes un petit peu herbacées, assez fraîches. Profitez bien et passez un très joli moment. Merci. J'espère que t'es prêt. Ah ben, je suis dans les starting blocks, je sais pas si t'as vu. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un voile qu'on fait avec les tomates vertes. Donc là, on est vraiment les dernières tomates du jardin. Donc on conserve parce qu'en fait ça va apporter les notes acidulées avec la richesse du lièvre, c'est intéressant justement. Ton sarrasin c'est du sarrasin décortiqué ou... C'est du sarrasin décortiqué en fait. Ouais, parce qu'autrement il y a de l'amertume quand on Exactement. Le torréfie. Mais chez nous là ils se sont pas mal, ils ont pas mal investi dans les fermes parce que du coup ça c'est un nouveau produit qu'ils n'avaient pas avant. Hein. Tu as le consommer Jérémy? Oui. Et on poursuit donc avec le lièvre à la royale, donc deux préparations différentes. On a Antonin Carême, donc cette version qui est désossée, à plat, farcie donc avec la chair des cuisses, le foie gras, la truffe, et au centre une farce fine de lièvre à la truffe, enroulée dans la livèche qui va apporter sa fraîcheur avec ce côté un peu céleri et un peu anisé. Et on finit donc avec cette sauce civet, cette fameuse sauce. Donc là on est sur un jus de lièvre qui est monté au sang et fini au cacao. Cherchez ma sauce, j'en sais. Le principal c'est que le lièvre, ce qui est important c'est la sauce. La deuxième préparation qui a évolué encore cette année, qui est justement le sénateur couteau, et qu'on préserve dans un pain vapeur. Hein. Donc là, ça va éviter justement que la chair elle sèche. Sur le dessus, on a un voile de tomates vertes, donc des dernières tomates du jardin. Et on a également le sarrasin de Beauce qu'on a fait souffler, et la truffe. Et on finit avec le consommé de lièvre. Donc là, je vous invite vraiment... à casser la croûte, comme le disait si bien M. Paul, et à trempouiller justement le pain dans le consommé de lièvre.
parle bien de trempouiller parce que c'est ça aussi les termes qui sont sympas. Trempouiller. Profitez bien. Ok, merci. Donc pour aborder la partie soufflée, on est sur un pré-dessert autour du poivre et du persil de notre jardin. Donc le poivre, on l'a travaillé de différentes façons. J'adore le poivre parce qu'on a cette couleur rosée, vraiment, qui est incomparable avec d'autres fruits. Donc du coup, le poivre, on l'a travaillé de plusieurs façons, comme je vous disais. On l'a fait longtemps cuire dans un sirop avec de l'eau et un petit peu de jus de citron. On a récupéré cette eau pour faire une eau dans le fond de l'assiette, sur un papier de coin. Et on a utilisé les fruits qu'on a mixés. On en a fait un gel et il y a un petit cube de coin confit à l'intérieur. Un sablé linzer pour apporter un petit peu de gourmandise et de friabilité. Et un sorbet sur une base de coin avec du persil. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah mais je reconnais déjà dans le fond. Clément, voilà. C'était toi qui disais les soufflés. Tout à fait. C'est toujours la même, je fais les soufflés. Ah bon ? Ça n'a pas changé. Bon, bah d'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? Là, on est sur des desserts à la vanille pomponnard. La vanille pomponnard, on l'a travaillé de différentes façons. En sorbet, en siphon. Et on a la vanille pomponnard pour avoir le goût de la vanille sous plusieurs formes. Ça vous dit qu'on déguste, enfin moi, mais vous. Oui. Ah, c'est pour nous, ça? Bah, bien sûr. Ah, d'accord. Ok. Tout d'abord, je ne vous ai pas dit bonjour. Bonjour, mesdames, bonjour, monsieur. Donc, on va poursuivre ici avec un dessert tout autour de la vanille de Pomponnard. Donc, ici, je vous emmène en Nouvelle-Calédonie. Donc, là, notre chef a voyagé et donc nous a ramené ces fameuses gousses de vanille de Pomponnard que je vous présente. Voilà, que je vous présente ici. Donc voilà, elles sont très particulières, elles ont la particularité d'être très courtes et très grasses et elles vont vraiment avoir des notes complètement différentes d'une vanille traditionnelle, à savoir des notes d'épices et ça va presque tirer jusqu'au pruneau. C'est vraiment pour cette raison-là qu'on l'a travaillé dans ce dessert sous différentes textures. Tout d'abord dans un caramel onctueux, vous retrouverez également un siphon hyper onctueux pour la gourmandise. Sur votre gauche, donc, on a représenté une gousse de vanille en trempe-l'œil avec un extérieur très croustillant, garni d'un crémeux au chocolat. Vous avez également une eau de vanille très puissante. Sur le dessus, donc, quelques paires de vanille qui vont venir exploser en bouche, mais avec beaucoup d'intensité. Sur votre droite, un sorbet à la vanille de Pomponnard. Et j'insiste bien sur le mot sorbet et pas glace, parce qu'on ne cherche pas le côté gourmand ni gras d'une glace, mais vraiment la fraîcheur d'un sorbet à base d'eau. Un sirop avec de la vanille. À base d'eau, voilà, tout à fait. Et c'est vraiment dans le sorbet que vous allez pouvoir identifier le plus le goût de cette vanille qui est vraiment particulier. Et pour terminer, je vais venir vous saupoudrer en fait les gousses déjà utilisées qu'on a fait déshydrater et réduit en poudre. Alors en plus d'avoir un aspect visuel, ça a vraiment un réel aspect gustatif. Car c'est dans la gousse de vanille qu'il y a le plus d'arôme. Voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite une très belle continuation. Mesdames, messieurs, j'ai cru comprendre que le dessert à la vanille de Pomponnard s'est bien passé. Tout à fait, c'était excellent.
Super. Bon, alors je vais commencer avec les deux desserts autour de la pomme donc, et du géranium, donc une pâte autour de la pomme pâte de loup. Donc la pomme pâte de loup, c'est une pomme plate à chair ferme assez acidulée ici qu'on a travaillée sous différentes textures. Dans un premier temps, dans le bol devant vous, vous la retrouverez pochée dans son propre jus de pomme, infusée justement avec ce géranium du jardin pour apporter ce côté très floral. Vous avez également de la baie de Genève dans l'infusion, là pour le côté poivré. En dessous, vous retrouverez un sorbet au cidre et géranium. Donc le cidre pour aller chercher des notes un peu plus d'amertume sur la pomme. Dans un deuxième temps, je vous inviterai à déguster ce gâteau façon grand-mère, si je puis dire. Vraiment, beaucoup de gourmandise, avec un petit peu de baie de Genève râpée dessus. Et notre chef pâtissière est également venu vous servir une petite quenelle de crème gourmande au géranium. Et dans un troisième temps, je vous inviterai à clôturer cette dégustation en venant vous rincer le palais avec cette boisson. Et donc, en fait, on a repris tous les éléments du dessert pour créer un lien, à savoir le jus de pomme, la baie de Genève, le cidre et le géranium. Et on a terminé avec un trait de calvados. Et pour vous, monsieur, donc le fameux soufflé autour de la noisette et de la mandarine de notre serre. Donc sur votre gauche, vous avez le soufflé bien chaud qui est à la noisette, et à votre droite, donc cette déclinaison autour de la mandarine avec tout d'abord quelques segments frais. Vous avez également un travail en confit, en chips, et puis glacé en sorbet avec une infusion de tanaisie à l'intérieur. Donc la tanaisie, ça va être comme de la petite fougère. Hein. Si vous baladez un peu dans le parc, il y en a un petit peu partout. Et ça va avoir ce côté un peu poivré, ça va vraiment bien se marier avec, avec l'ensemble du dessert. Et on est venu terminer en vous rappant un yuzu frais de la serre à agrumes pour apporter beaucoup de fraîcheur. Merci beaucoup. Super, merci. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin de repas. Profitez bien. Je vous en prie. Tout s'est bien passé dans l'ensemble. Oui, dans l'ensemble, oui. Et dans le détail. Et donc voici, pour terminer, les lignardises de notre chef pâtissière. Vous allez retrouver donc en haut à travailler autour du chocolat et de la mûre. Ensuite, donc, dans l'esprit d'un chou à la crème au cédra. Et pour terminer, un palais de courges. Variété bleu d'Hongrie, donc variété du jardin.